Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 30e épisode d'ActuCube. Alors avant de commencer, j'ai quelque chose de très important et de très cool à vous dire. Durant tout le mois de février, je suis en collaboration avec le site plusdecube.fr et avec cette collaboration, vous obtenez moins 5% avec le code NEANTO tout en majuscule sur tout le site plusdecube. Si vous comptez acheter des cubes durant ce mois-ci, n'hésitez surtout pas à le commander sur le site avec mon code, ça m'aiderait énormément. Et sans plus attendre, on commence ActuCube directement. Ces deux dernières semaines, ça a vraiment charbonné au niveau des 3x3 singles. Donc en premier, comme d'habitude, on commence avec Luke Garrett qui nous a sorti un 3.39, donc c'est même plus très étonnant. Ensuite, on a Yang Wang qui nous a fait deux sub 4. Le premier, on n'a pas la vidéo, mais la reconstruction sur Cube Station, donc il nous a fait un 3.41. Et son deuxième sub 4, c'est un 3.91, donc là encore, c'est assez impressionnant, surtout pour son âge. Ensuite, on a Léo Borromeo qui nous a aussi sorti un sub 4, donc c'est un 3.79 exactement. C'est assez dommage parce qu'il aurait pu faire 3.16, mais il a failli l'arrêt du timer, du coup il a fait 3.79. Ça reste quand même un très très bon temps. Ensuite, on a Bill Wang qui nous a fait un 3.58, donc là j'ai pas grand chose à dire sur la solve. Ensuite, on a un cubeur que je connaissais pas, donc c'est Jiazuli, désolé si je prononce mal, qui nous a sorti un 3.16 secondes. Ensuite, on a une solve incroyable, donc c'est un 4.29. La grosse spécificité de cette solve, c'est qu'elle a été one look. Il a commencé avec une XXX cross, donc quadruple X cross. Il a directement fait LF2L. Et ensuite, il a enchaîné avec OLL, PLL très très simple. La solve est vraiment très très bien réfléchie et la quadruple X cross est vraiment incroyable. Et on finit par les temps officiels. En premier, on a Zian Kanani qui nous a encore sorti un AVG World Record au 2x2. Cette fois-ci, c'est un 1.04. Donc on s'approche petit à petit du sub 1 en moyenne au 2x2 officiel. C'est assez incroyable. Si ça vous intéresse, la vidéo de l'AVG entier est dans la description. Et on finit en beauté avec Julia Sébastien qui nous a sorti un 4.91 officiel full step. Donc voilà, c'est un sub 5 qui fait plaisir de la part d'une française. Et pour finir, on a 4 cubes qui sont sortis. En premier, on a 2 clocks de chez Lingyao qui sont sortis. Alors cette marque a pour réputation de très très mal tourner. Mais sur la vidéo de Zocubicle, ça a l'air d'être plutôt acceptable. Si ça vous intéresse de voir la vidéo entière, le lien est dans la description. Et ensuite, les deux autres cubes qui sont sortis. Donc c'est toujours présenté par Zocubicle. C'est un 8x8 et un 9x9 magnétique de la marque Diancheng. C'est deux Rubik's cubes qui peuvent être assez intéressants parce que je trouve que les magnètes sur les gros big cubes peuvent manquer. Je sais par exemple que sur mon 9x9, c'est assez embêtant d'aligner à chaque fois les faces. Et les magnètes pourraient du coup contribuer à la stabilité du cube. Et on finit cet ActuCube avec JR Cuber qui fête ses 10 ans sur YouTube. Je pensais pas que ça faisait aussi longtemps qu'il faisait des vidéos sur YouTube. Il a expliqué dans sa vidéo qu'il allait continuer à faire un petit peu de vidéos sur sa chaîne, mais que désormais il travaille chez Zocubicle et on le verra surtout sur la chaîne du coup de Zocubicle. Et cet ActuCube touche à sa fin, il a été un peu plus long et complet que les semaines passées, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire si vous avez quelque chose à me dire, et puis si c'est pas encore fait, de vous abonner. Allez, salut !